1 Corinthiens au chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. De nous comprendre, Seigneur, que les Israélites dans le désert, Seigneur mon Dieu, étaient en quelque sorte, peut-on dire, Seigneur mon Dieu, des chrétiens, Seigneur mon Dieu, comme nous, Seigneur. Et donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que nous devons tirer exemple, Seigneur mon Dieu, de ce qu'ils ont fait, Seigneur, afin de ne pas faire comme ils ont fait. De ne pas prendre exemple sur eux, Seigneur mon Dieu, mais de comprendre, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons être dans le même cas de figure qu'eux. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. De comprendre, Seigneur, que dans le monde, c'est comme si nous étions dans le désert, bien que nous marchions avec ton Esprit Saint, Seigneur, par le sang de Jésus. Amen. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qui est écrit, « Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Garde-nous, Seigneur. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Garde-nous de murmurer, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, amen. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donne-nous de toujours prendre garde de tomber, Seigneur, nous qui sommes debout, par ta grâce, amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donne-nous par ta grâce, comme a dit Paul, lorsque nous sommes tentés, de savoir faire comme Gethsémané. Comme Jésus à Gethsémané, qui a prié, Seigneur mon Dieu, contre sa propre volonté, pour faire ta volonté. Lorsque nous sommes tentés, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu donnes toujours un moyen d'en sortir. Amen. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Ce que je dis, c'est ce qu'on sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Amen. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Donne-nous donc, Seigneur mon Dieu, de marcher, Seigneur mon Dieu, comme Paul le dit. Amen. Si un non-croyant vous invite et que vous alliez manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Donne-nous d'agir aussi ainsi. Amen. Mais si quelqu'un vous dit, « Ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère, si je mange avec action de grâce? Pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donne-nous d'être en bon témoignage devant tous, afin qu'il soit sauvé. Toi soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.